Hey, 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 Cucu, mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel et sûrement dernier épisode du mystère de Strangerville, de l'enquête sur Strangerville avec le beau Carl. Le beau Carl, oh oui, tu es beau, tu es sexy, tu es magnifique. Et la jolie Naomi, bah oui, ça rime, hein, qui a été enfin guérie de son infection du fruit possédé, mais ça va pas mieux parce que Carlinouche, bah, il s'est fait un peu tabasser la gueule par la plante mère. Bon, la dernière fois, j'ai un peu galéré à combattre la plante mère, mais on va essayer de revenir, de faire les choses bien. Donc, tout ce que je dois faire maintenant, c'est de refaire des vaccins. Voilà, donc bon, bah, on va faire ce qu'on peut, hein. Et toi, tu vas essayer de choper des fruits que nous n'avons pas. Donc tu vas prendre soin de la plante, prendre soin de la plante. Et puis on va essayer de refaire des vaccins, tout ça, rechoper notre équipe et essayer de recombattre la plante mère. Même si moi, dans mon cœur, je l'aime et que je n'ai pas forcément envie de la tuer. Ouh là 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 là. Mais bon, hein, on peut pas trop... voilà, c'est la mission, c'est comme ça, faut sauver le monde. Et sauver Strangerville. Mon pauvre petit Carl. Ouais, ils ont passé toute la nuit au labo. Il a fait pas mal de vaccins, ils ont mangé, ils dorment. Ils essayent de survivre dans le lab, hein. On va essayer de les faire survivre, surtout. On est moins cette pauvre petite bichette là qui se fait électrocuter. Mais bon. Hein? Et la belle plante tout nette. Ah là là, elle est beaucoup trop jolie. Moi, je suis fan. Tiens, bah tiens, Naomi, tu sais ce que tu vas faire au lieu d'aller prendre un café? Tu vas venir là. Et tu vas la prendre en photo. J'aime bien faire des bêtises. Prends une photo. Allez. Là, t'auras un peu plus de recul. Je sais pas si ça va donner quelque chose. Oh, ouais, non, pas trop, trop, mais bon, ça passe. Hein. Est-ce qu'elle aime bien les flashs? On sait pas trop. Elle dit trop rien. Tentez de communiquer. Allez, tu vas communiquer pas mal de fois avec elle. Peut-être que il y aura une chose qui se présentera, je sais pas. Tu vas être sa sous-fifre pendant un temps. Mother, j'étais ta fille pendant un temps. S'il vous plaît. Écoutez-moi. Bon, elle écoute, mais... Je sais pas si elle va t'entendre. J'aime bien comment elle frétille. Avec sa langue et tout. Ah non, elle est trop belle. Réussite introvertie. Oui, d'accord. Est-ce que pour l'instant, t'as une bonne relation pas avec elle? Putain, par contre, t'es crevée. Ah, elle est pas encore dans ses... Si, la mère. Ennemi juré. Elle veut pas être copine avec toi. Bon, bah, je sais pas, tu continues, hein. Au pire, après, t'iras te reposer un peu. Tant que Carlinouche, lui, il se repose aussi. Et puis après, on va essayer de nouveau de la combattre. Ah oui, j'avais pas vu que c'était des bourgeons qu'elle avait. Ah, c'est trop bien. Mais est-ce qu'on a été... Non, personne n'a été là-dessous. Je sais pas. Ah, on peut pas descendre! Oh, la frustration. Je peux pas descendre. Oh, excusez-moi, madame. Je ne fais que passer. Ah non, je peux pas descendre. Le jeu veut pas que je descende. Bon. Tant pis, c'est comme ça. Bon, je suis en train de remettre du vaccin là à mes comparses. Hop, Erwin, pouf, dans ta chetron. Toi, du coup, on va essayer de te protéger, ce que je n'ai pas fait. Peut-être que c'est un incident. Tu vas porter la combi. Et on y retourne. On y retourne. Voilà, tu vas... Vous allez aller ici ensemble. Aller ici ensemble, déjà, c'est pas mal. Et puis, on va essayer de combattre... bon, il est dans un état pitoyable, hein, mais... On va essayer de combattre la plante.
Tous ensemble, tous ensemble. Peut-être à proximité. Ok. Nous y ont. Nous y ont. Combattre avec elle, lui et lui. C'est parti. Je sais pas du tout, du coup. Bah, combattre la plante mère. Ah, ils apparaissent comme ça, d'accord. Alors, méga pulvérisation. Jeter un vaccin contre l'infection. Et lui, il est là, tranquille. Est-ce que c'est en jetant un vaccin contre l'infection, ça... Wow, d'accord! Ordre de groupe à l'attaque. Vaccine un peu vaccin. Non, c'est pas vrai! Alors, on va refaire à l'attaque. Les capillarisations. Et puis, attendez un peu, d'accord. Pour l'instant. Ah, on arrive. Ah ouais, je peux plus là. Vous avez changé de mode de combat récemment, ils ont besoin d'un peu de temps. Ok, bon. C'est un peu bizarre, hein? Oh là là, tous les sports et tout. Je peux pas faire grand-chose, donc on va attendre. Pourquoi il est en colère? Ok. Arrête de parler là, gars. Le mec, il reste là. Je peux plus rien faire. Oula! On est kiff-kiff, hein? Ordre de groupe. À l'attaque? À l'attaque, les... Mais lui, il fout rien, là! Et elle non plus! Cri de guerre convaincant. On a presque... On l'a presque, hein! Allez, on continue. Oh, si j'avais su, j'aurais refait un vaccin de plus là. Oh là là. Je vais attendre, hein, je peux pas faire autrement. Maintenant que les autres sont... Je peux pas faire ordre de groupe. Mais jeter des trucs là! Là, on est en train de la voir. Ah non, j'ai pas envie de recommencer. Hein. Ah, ils sont en train de se battre, d'accord. Allez! Nuomi! D'ailleurs, je sais même pas si je peux la contrôler. Non, je peux pas. Il n'y a que Karl qui peut. Je pense que j'ai bien fait de mettre la combi parce que ça doit être un truc important. Oh, on va réussir à la voir, regardez. Ordre de groupe. À l'attaque. Allez, on recommence. Allez, on est trois. Oh, oui. Je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Je crois qu'on y est là, non? Ah! Il se prend des coups. Oh punaise! Attendez, je suis en train de tout rater. Oh, elle s'est recroquevillée! Oh, ça y est, c'est réussi! Yes! Et l'autre, il souffle dans sa. Regardez-moi ça! Le mec, il est content! Vous, c'est n'importe quoi. Puis la meuf là, qu'est-ce qu'elle fout derrière là? Regardez-moi. Elle est trop marrant. C'est trop marrant. Et elle aussi, elle souffle dans son truc. Ok, bon bah c'est la fiesta, aspiration terminée. Alors, après beaucoup de planification et d'enquête, et peut-être un peu de combat peu conventionnel, Karl a libéré Strangerville des griffes de la plante mère. Strangerville peut désormais dormir sur ses deux oreilles. Trait de caractère gagné, héros de Strangerville. Ah, nous avons enfin réussi! Et on peut la ressusciter. En fait, elle se détruit pas, genre, s'évapore pas, quoi. Elle reste là quand même, vitam aeternam, quoi. Bon, récompense gagnée. Félicitations, l'ignoble tyrannie de la mer a été punie. Vous avez reçu un échantillon de la mer à exposer chez vous en guise de récompense pour votre victoire héroïque. C'est vrai? Genre un tableau et tout? J'aurais dû faire un truc en plus, hein. Attendez, c'est quoi? Ah c'est... Non, ça c'est les photos que j'avais prises. The. Bah ça doit être peut-être dans l'inventaire de la famille, je ne sais pas. Eh ben, très bien, on va donc rentrer chez nous, puisque nous avons gagné. On va juste rentrer avec Nuomi, hein, on va pas rentrer avec les autres. Et on va voir ce qui se passe. Strangerville, un peu moins étrange. Dans un
Dernier cri strident. La plante mère s'effondre. En rentrant, vous remarquez que les choses commencent à redevenir normales. Les plantes bizarres dépérissent et les infectés se réveillent de leur cauchemar. Strangerville vous doit beaucoup. Vous avez sauvé la ville! Yes, we saved the world, people! Vous avez vaincu la plante mère et remis Strangerville dans son état normal. Vous pouvez retourner voir la plante mère à tout moment pour la réveiller à nouveau. Une fois ressuscitée, vous pourrez l'utiliser pour répandre une infection du niveau de votre choix selon le degré d'étrangeté que vous souhaitez obtenir. Cela vous permettra de rejouer l'histoire avec d'autres familles. Ah, c'est sympa! Mais pour l'heure, hein, on va dire que non, ils ont besoin de dodo, les pauvres petits, là. Beaucoup, beaucoup. Ils ont bien travaillé, il est 23h, ben ça va, hein, tranquille. Ah oui, les plantes ne sont plus. Nous sommes dans une city vraiment calme maintenant, il n'y a plus de détraqués bizarres. Oh, ça fait plaisir. Je vais aller voir dans le mode construction, du coup, savoir si on a vraiment un truc. Waouh! Ah mais c'est trop beau! Ah oui, moi je pensais que c'était un tableau en fait. Pas que c'était un truc en 3D quoi. Oh là là, la vache! C'est trop bien! Ah ouais! Ah, et puis on peut se faire des mini plantes, tu mets ça dans ton jardin et tout ça. Par contre, la végétation a toujours envahi. Oh là là! Eh ben, va te laver, dégueulasse! Elle a toujours envahi notre maison, quoi. Ah, et celle qu'on avait plantée là? Plante bizarre, de saison. Oh, finalement, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que ce let's play a pris fin. Héros de Strangerville, raison résout le mystère de Strangerville. En tant qu'héros de Strangerville, vous recevrez du courrier de fans et pourrez raconter comment vous avez vaincu la source de l'infection. Trait de récompense. Image publique, pourtant, il a aucune. Il est inconnu et tout. Mais ça serait rigolo, ouais, de voir des fans. Et on va dire, on va cliquer là-dessus. Plus de choix. Parler de Strangerville. Ouais, mais bon, voilà. Je pense que pour ce petit let's play découverte, c'était franchement hyper sympa. Alors, je sais pas comment. Il y en a, ils ont fini en 2 heures. Mais écoutez, moi, j'ai mis vraiment le temps. Parce que pour enregistrer tous les épisodes, j'ai dû mettre quand même pas mal d'heures. Alors, on va dire que je suis nulle, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pris mon temps. Et effectivement, bah, les Sims, il faut les nourrir, il faut les faire dormir, tout ça. Donc, ils peuvent pas que faire des vaccins all day long. Et moi, j'ai pris mon temps là-dessus. Et ben, franchement, il y en a plein qui vont détester ce pack. Moi, je l'aime bien parce que l'histoire, elle est fun, elle change. Et on a des objets hyper cool. Les fenêtres et les portes sont magnifiques. Cette baignoire avec les plantes, c'est magnifique. Il y a plein de choses qui sont cool, d'autres choses qui ne sont pas trop, qui serviront pas trop. Mais je pense qu'avec l'imagination des builders de la communauté Sims, ils pourront réussir à faire des trucs super sympas avec des trucs qui sont pas destinés. Vous voyez, détourner d'un objet pour en faire un autre, tout ça. Moi, j'y crois vraiment. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like ou vous abonner, c'est pas fait. Hein, pourquoi pas, et allez regarder mes réseaux sociaux dans la description et aussi la page Utip pour regarder quelques petites pubs et financer les prochains achats des prochains packs Sims 4 et autre chose. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur les Sims ou d'autres choses. Allez, salut.